Salut la Team Rider, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Le 4 pattes, il est presque prêt à être déposé. On a tombé la ligne d'échappement, j'essaierai de te faire quelques plans des écrous qu'il y avait sur la ligne, dans quel état ils étaient. On a réussi à les sortir, c'était de l'insolence. Il te manquait une vis sur le démarreur. Ah oui. Ouais, c'est pour ça que j'étais là, mais putain, il y a un trou. Bien les amis, je suis en train d'analyser un petit peu la chose pour essayer de comprendre comment c'est monté sur série 3 et sur série 7. Donc sur le bloc série 7, on a donc la pompe à huile séparée du reste de la plaque anti-barbotage. Mais tu vois là, ce qui est un peu curieux, c'est qu'on se retrouve avec une vis ici qui sont dissimulées après derrière la plaque, tu vois, tout le long. Et on a les vis qui maintiennent justement la plaque anti-barbotage. On retrouve sur le bloc de lit 8 les deux emplacements prévus pour accueillir soit une configuration, soit l'autre. On va déposer et on en saura plus.
Bon, bien, je t'explique la chose. C'est assez intéressant et à la fois, là, ça fait partie d'un imprévu. Donc, sur le montage série 7, tu peux percevoir des croisions de renforts qui joignent donc la partie des fixations ici, qui sont à la base pour la plaque anti-barbotage, et qui viennent se foutre sur les paliers de Villebrequin. Donc ça fait un espèce de renfort. Pourquoi ? À mon avis, c'est pour compenser, tu vois, cette plaque anti-barbotage qui est en simple tôle, qui doit faire 1 mm à tout casser, alors que l'autre plaque anti-barbotage, là, tu vois bien que c'est autre chose. Hein. Elle fait 3 voire 4 mm d'épaisseur, ça n'a rien à voir. Voilà, j'ai demandé à plusieurs personnes, notamment à Antoine, merci à toi, qui m'ont confirmé, tu vois, sur des grosses caisses de drift préparées, du rupteur à 7000, que les vis de maintenant de vélo, ça se repose sans problème. Au final, c'est même pas serré si fort que ça. Et évidemment, j'irai confirmer la chose sur ETK pour pouvoir serrer ça au couple bien comme il faut, tout en vérifiant l'exactitude de la chose. Donc voilà les amis, la plaque anti-barbotage série 7 s'est déposée, la pompe à huile série 7 s'est déposée. Comme tu as pu voir, j'ai retiré l'écrou d'origine à pas inversé, donc il faut tourner dans le sens horaire, donc comme si on serrait pour desserrer l'écrou. Bon voilà les amis, à droite on a une vis série 3, à gauche la vis série 7. Comme tu peux voir, il n'y a pas de différence de longueur, donc pas de mauvaise surprise. On va pouvoir remonter avec les vis d'origine. Bon, bah voilà les gars, on aura quand même bien avancé. Quoi te dire, les vis donc de Villebrequin sur les paliers, c'est 20 Nm à l'approche, plus 70 degrés à faire en serrage angulaire.
Donc ça s'est bien passé, j'ai pris mes précautions, j'ai pris mon temps. Et voilà, pas de mauvaise surprise. Pour ce qui est de la plaque anti-barbotage, donc c'est 21 Nm pour toutes les vis de serrage. J'ai récupéré les vis d'ailleurs du bloc série 3 parce que les vis sont légèrement plus longues cette fois-ci pour la plaque anti-barbotage qui est plus épaisse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme subtilité? Donc j'ai changé le joint de crépine au passage, histoire que on n'ait pas de prise d'air au niveau de la pompe à huile. Pour la suite du coup, ça sera mise en place de l'écrou sécurisé de pompe à huile, donc un écrou qu'on vient remplacer à neuf et qui est avec un petit fil de métal qui permet de le rendre vraiment indesserrable à 200%. C'est une des maladies sur ces blocs là, comme je te le disais, malgré que ce soit un écrou à pas inversé, il peut se desserrer, donc voilà, on le remplace par un écrou spécifique qui évite toute mauvaise surprise. Nous restera à faire le pendant de joint tout propre, impeccable, pour accueillir le nouveau joint de carter, puis le carter d'huile série 3. Et ça, on voit ça lors d'un prochain épisode. Et sur ce, les amis, moi je vous dis à la prochaine, à très vite, ciao!